C'est absolument pas un spectacle intello, hein. C'est un spectacle où on rit beaucoup, c'est une comédie, on rit énormément. Quand j'ai lu les scénarios, moi j'étais plié en deux. C'est une sarabande infernale avec énormément de rythme. C'est plein de fantaisie, c'est plein d'esprit, plein d'humour, comme ça, un humour. Des grimaces, des bons mots, des gags, des situations rocambolesques. C'est aussi la volonté de faire rire. Je crois que c'est un des éléments sur lesquels Jérémy a beaucoup insisté. Mais c'est un spectacle que je qualifierais d'abord de profondément humain. Avec beaucoup d'humanité. Une humanité très humaine, finalement. Une humanité qui touche au plus profond des êtres, dans leur sensibilité la plus intime, la plus intérieure, leur humanité profonde, finalement. J'espère ne pas dire de bêtises en disant ça. On m'a dit de dire que c'était un spectacle de 7 à 77 ans, mais je pense que on peut aller bien au-delà de 77 ans. On dit 75, 80, 90, 100. Peut-être entend juste un son, quelque chose qui lui parvienne. Et c'est déjà gagné, parce que le spectateur, faut lui faire parvenir quelque chose. Pas forcément un début, un milieu, une fin. Une sensation, voilà. Est-ce que ce spectacle, ce serait pas une sensation? Tous les spectateurs sont les bienvenus. On sent qu'on va devoir aller chercher vraiment au fond des tripes. À la fin des répétitions, ou à la fin de la journée, quand la journée se termine, oui, on souffle, et on peut s'échapper, et puis aller boire un coup. Au milieu de cette noirceur, eh bien, il s'échappait toujours des moments de rire, de volupté, qui nous surprenaient nous-mêmes. Et comme vous l'avez dit en début d'interview, je suis entourée d'hommes, ce qui n'est pas pour me déplaire. Voilà, oui, c'est une comédie. Je vois pas. Gigi a été séché là. Il a été séché. C'est pas drôle. Non, pas du tout. On dirait que c'est toi qui parle. Que t'as dit qui était bien, c'était. C'est pour tous les publics, c'est pour tous les. Publics, c'était la générosité. Non, c'était, ça a été douloureux. Moi, je pense que il faut que t'ailles vers là. En fait, il faut que tu nous dises que c'est hyper drôle. Et en fait, il faut qu'on voit un mec qui est surtout pas marrant. Je vais pas arrêter, moi. Alors, on arrête et on va reprendre. 1, 2, 3.